Yo tout le monde, c'est Tiob, épisode 8. Alors on s'était laissé, oui, Média nous avait attaqué, on avait réussi à repousser, alors on avait pillé je crois même un Phasis. Ok. On voit, hein, c'est aux mains des rebelles orientaux, et puis aux mains des Arméniens. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait. Ah oui, on avait conquéri un peu par là et stabilisé nos frontières. Ok. Et là, toujours pas d'attaque. Alors, c'est compliqué, hein, c'est l'hiver, peu de revenus, 144 par toi. 144, c'est pas beaucoup, ouais. Mais bon. Stabiliser une situation comme celle-là, hein, c'est quand même bien. voilà, je suis assez fier. Bon, je me balance des lauriers, j'ai envie de dire. Je me lance des lauriers plutôt. Je sais pas si c'est balance. Je me balance, putain. Bref, qu'est-ce qu'il va foutre là-bas, lui, sérieusement? Oh là là, mais regardez tout ce qu'il y a là, ça traîne partout ces trucs-là, c'est n'importe quoi. C'est qui? T'es qui toi? Toi je te vois mais je sais pas qui t'es. D'accord, on va faire. Tac, l'hygiène publique, hein, bien évidemment. Alors, on va continuer sur les mines ici. Je veux qu'on ait des revenus, hein. On a vraiment besoin de revenus. Bordel ici, toi. C'est du grand n'importe quoi. Allez, mes villes coyotes qui devraient mettre deux tours à arriver. Ça, c'est pas mal, hein. Et limite, ils sont plus rapides. Bon, peut-être pas plus rapides, mais limite, ils ont la même vitesse en marche normale qu'en marche forcée, hein. C'est dire à quel point ils sont rapides les cocos quoi. Oh, a-t-il réussi? La guerre, la vocation d'un homme est de faire la guerre, pas du bavardage de fou. Ok, bon bah on va aller. Faudrait les calmer un coup, hein. Oh, renversement réussi, dis donc. Oh là, c'est assez rare pour le souligner tout ça. Est-ce que ça marchera là? 8%, laisse tomber quoi. Plus beaucoup d'argent hein, venant des aventures. Il n'y arrivera jamais. Oh là là, c'est compliqué là. T'es qui toi? Ouais, bah oui, c'est ça, ouais, voilà, purée. Ah, pencu. C'est pas grave, on va passer par là, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je vais aller à Sirac avec ça. Ici, on est tranquille, on risque pas de se faire attaquer. Si bien évidemment ici ils sont calmes. C'est une bonne chose qu'ils soient calmes les batteries. Allez, on pourrait faire ça. Et on va passer le tour. Ça nous attaque. Ça monte d'art. Résolution automatique, hein, ça passera tout seul. Voilà. Aucune raison de ne s'inquiéter. Bien évidemment, on relâche. On a besoin d'argent. Oh!
Smargiana. Mais dis donc. Je vous ai pas vu souvent, vous, hein. Ok. Eux, ils vont se développer, cette armée, là. Ça va être très très bien. Ouais, de la nourriture, de l'argent. Oula vache. Ça va être efficace, hein. Ouais, même principe. Oh, c'est pas vrai, ça. Voilà, avec les bons ups qui vont avec, hein. Vache. Allez, marche forcée. Gardien de la paix, allez. Ça et... Ça sera administrateur économe, hein, je suppose. Ah, hygiène publique. Ouais, on va faire l'hygiène publique, c'est bien l'hygiène publique. Voilà, lui comme d'hab, hein, il a corrompu. Oh, faut pas chercher plus loin. Oh, vous voyez la différence de portée, c'est que c'est rien du tout. Alors, eux, bon. Eux, ils font leur vie, hein, tranquillou, bilou. D'ailleurs. J'ai envoyé mon scénario de guerre sur la Medalbia, les flèches de Guatosiros. Ok. Fabricant de trompette. Allez, va pour fabricant de trompette. Hop. Et toi. As-tu assez? Ah ouais, bon, elle est tente, hein. Oh bah, écoute, c'est pas si mal. C'est pas si pire ce que tu nous as fait là, mon ami, hein. Honnêtement. Voilà. Ah oui, t'es le futur assassin. Eh, d'ailleurs, tu vas vite avoir des cibles, toi. Hein. Je sais pas combien t'es en pourcentage de réussite, mais... Oh, je peux te dire... Tu... Oh merde. Ah. Bon, ça, c'est moins intéressant, par contre. Ça, c'est bien moins intéressant. C'est vrai que j'étais content que Palmyre il n'intervienne pas. Parce qu'ils ont des bonnes armées. Hein. Samandar, Festandé. Allez, un petit coup de sagesse des anciens. On a un besoin de sagesse là. Hop, zup là, ouais, c'est ça, là on gagne plus de... toujours plus... Ouais, oh, il crève de faim là, c'est parfait. Il meurt de faim. Et là je vais aller là-bas. On va faire un raid. Voilà, ce sera pour le tour prochain, mais si on peut commencer à retirer quelques garnisons, un peu de garnisons et demi là, on va pas dire non. Hop, ici. Forcément, hein, forcément, on va augmenter nos revenus, hein, dans cette province qui nous en fait gagner déjà pas mal. Mais ce n'est pas assez. Tiens, toi tu es... Non, tu es pas à moi. Quand on voit des guerriers salades. Scald, oh putain. Pourquoi de salade? Je comprenais pas, les gars. Et là, on va faire un petit recrutement. De bretteurs. Toujours servir. Petrodava, bah ils sont pas bien là, ils sont même pas bien du tout, ça me va. Ah bah ils sont un peu moins mal. Ça va durer. Putain. Alors, qu'est pas ça. Mais c'est exactement la même armée que tout à l'heure, hein, mais bon. Bon bah pareil, hein, principe, victoire très coûteuse. Putain, par contre, il m'en envoie des armées. Si j'ai bonne mémoire, il a une seule ville. Ah ouais, c'est une ville qui produit, hein. Ah la vache.
Margliana, là, allez. Je sais pas où est-ce qu'il est allé, mais il a dû y avoir un agent ennemi ou un truc comme ça, là. Bactrie, eh merde. J'ai pas vérifié, c'est vrai, à l'ouest, à l'est, ce qui se passait. Donc si ça se trouve, la Bactrie s'est réveillée. Hein. Hop, ce qu'on va aller voir de suite. Ah ouais, 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 ouais. D'où. Alors on fait une embuscade, hein. Bien sûr, hors de portée si on peut. Voilà, agressif. Toujours être agressif avec eux. On va pas aller plus loin. Ça les obligera à se reconstituer. C'est pas une mauvaise chose. On va remplir cette armée. Par contre, juste une petite interrogation, du coup, comment il a de territoire lui? Non, juste que je rigole. Voilà. Avec ça, les gars. Avec ça. Avec juste cette cité, il entretient deux armées complètes. Hein. Ça déconne zéro. Ah non, sérieux? Je peux poser? Oh merde! Ah, oh, j'étais persuadé que je pouvais. Ah, zut. Allez, on commence les raids. Hein. Allez, Sazanide. Bon, bah, de toute façon, il a raté comme d'hab. Comme l'impression qu'il y a du monde. c'est quoi, on va avancer, hein, et on va sortir, on n'a pas trop le choix. Et on va recruter quelques archers parce que ça se passe pas ouf. Bon, en vrai, ils me coûtent pas cher, les archers, hein. Entretien par tour, ils sont raisonnables. Il me coûte, mais ça passe. Toi, ouais, je t'ai planqué. Lui, je vais le faire aller là au cas où. On ne sait jamais. Ah oui, c'est vrai, toi. Tu... Peut-être que dans votre sagesse. Je sais même pas qui c'est. Tant que cela ne nuit pas. Qui... Non. Je connais pas. Je ne sais pas qui tu veux que j'attaque, mais... Pas de suite, s'il te plaît, merci. Eh ben, dis donc, ça en met du temps, les tours, là. Ah. Les buries. Les pirates. Bon, ça me va. Bon, bah, je vais mener la bataille sur le champ. Ça risque d'être très compliqué, on va pas se mentir, les gars. Ouais, la bataille dispo en fin de vidéo. Et pour les autres, je vous retrouve juste après. C'est une victoire plutôt belle. Hein. J'ai résisté à 4200 hommes avec 1700 hommes. Bon, c'est pas dégueu. Et je n'ai eu que 500 de pertes. Bon, j'ai quand même perdu un peu moins du tiers de mon armée. Enfin, de cette armée, hein, pas de mon armée globale. Hein. Bien évidemment, ce qui est raisonnable. Ah purée, les Vandales, ils se sont fait bouffer par les Ruges. Hop, allez, on va recruter encore. Hein. Enfin, on va augmenter la puissance de recrutement. Bien évidemment, les buries. Et bon, on les termine. Hein. Alors, propose une petite paix. Parce que bon, ils se sont fait bouffer. Et il veut pas. Ah,
Elle veut pas. Elle est un peu planquée là en même temps, tu m'étonnes. Voilà. Et il monte de niveau. Bien. Enfin. Roturier. Ah bon. Ah bon. Bah, il me paraissait un peu mieux qu'un roturier. Hein. Enfin, il est même plus expérimenté qu'un roturier. Pour son boulot. C'est clair que... Quand même... censé être un gars un peu fort, tu vois, donc à mon avis, c'est... Il est plus que simple roturier. Pour être arrivé, comment s'appelle ça? Seigneur de guerre. Ah ouais, bah, seigneur de guerre roturier, je sais pas, c'est bizarre, c'est... J'ai pas l'impression que c'est logique. Bon. Eux, ils m'ont déclaré la guerre. Bon, bah, on va les réembêter un coup, hein. Il va falloir se défendre un peu. Quand je dis me défendre, bien sûr, c'est piller. Hein, vous avez l'habitude, les gars, maintenant, c'est bon. Ah oui, j'ai oublié, Palmyre, purée. Même eux, ils s'y mettent, quoi. En vrai, ça vaudrait presque le coup de demander un statut de satrapie. Ça foutrait bien la merde. Ça foutrait bien la merde chez eux. Bon, par contre, après niveau argent, je serais un peu. Je serais pas à sec, fight. Ah bah, la preuve. Voilà, on pille un coup. Ça va bien faire baisser leur morale là-bas. Grand classique. Je préfère passer mon temps à festoyer et à chasser qu'à écouter. Alors soyez bref. Nos alliés romains sont un peu trop dans la merde là. Voilà, ils ont accepté une paix déjà. J'apprécie peu notre discours, mais je mets de côté mes inquiétudes. Palmyre, ah ouais, en plus Palmyre, ils sont même ici. Allez. C'est qui ça? Oh bah non, ouais mais non aussi. Pardon? Je peux pas... Très bien. Oh c'est cool. Hein. Oh, sérieusement? Il s'arrête là quoi, il s'arrête devant les remparts quoi. Il touche les premières maisons presque. Hein. Oh là là. Grave. Oui d'ailleurs toi fais un raid si tu peux. Non. Un assassinat dans ce cas. Yes. Oh oui. Oh c'est bien. Oui. Ah, je n'avais pas un là. J'ai perdu un agent. Non ah, ouais, 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 c'est ça. Hein. Il s'est fait blesser ce couillon. Allez, on va retourner là du coup. On attend le prochain tour, on n'a pas trop le choix. On vérifie là. Pff. Ouais non mais. Ça les gars, tranquille. Ça les gars, je vous emmerde pas. J'ai l'impression qu'il m'envoie plus d'agents que j'ai d'habitants dans la ville. Du jour au lendemain, la population est double. On se demande pas pourquoi. C'est normal, c'est normal. Et là, ouf. Attends. Je peux pas rejoindre avec mon... Quelqu'un m'explique pourquoi je peux pas rejoindre avec mon armée qui est juste à côté, en fait.
Eh bah écoutez, c'est une bataille que je vais mener sur le champ. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'unité à distance. Pas vraiment d'unité à distance. Et je vais la jouer. Ah putain, mais j'ai encore perdu. C'est le même mot que je cherchais la dernière fois. Hein. Bref, en gros, je vais leur faire de la perte. Je vais juste leur faire de la perte et me barrer après. Voilà, donc ce sera la dernière bataille. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, hein, et pour ceux qui vont pas regarder la bataille, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Pour les autres, à tout de suite. Et pour les autres encore, c'était Thiob. Ciao. Alors, bataille de Grinev. On est en nette infériorité numérique, mais on est en nette supériorité. Logistique. Non, même pas d'armée. Ils sont mieux entraînés, quoi. Ils sont clairement mieux entraînés. Bon, à part eux. À part eux, là. Les pauvres, ils sont. Ils sont pas, mais pas entraînés du tout. Tire. Pardon. Ah, ouais, putain. Attends. Ah, ouais, non, on est d'accord, rien. Se déplacer furtivement, tir embusqué en plus. Tu quoi? Hop, on va les mettre là, eux. Il y a de l'orage, purée. Là, je vais mettre. Ah, c'est juste l'unité moyenne, ça, par contre, ça. Hop, on va voir d'où viennent les renforts. On sait jamais. Oui, c'est bien. Donne un coup. Hop. On a pas mal de déployables. On va en profiter. On va passer tout ça là. Ça sert à rien, hélas. Chevaux de frise. Voilà, on va les mettre là. Vite pierre coupante, ça ralentit les ennemis. Même principe, on va les mettre ici. Hein. Ouais, comme ça là ils avanceront moins vite vers mes unités. Voilà. Là, même principe. Hein. Et une petite barricade. Non. Ah, allez. Voilà. Une barricade là et non, je préfère faire quoi que c'est rare qu'ils attaquent par là, mais on sait jamais. Hop. Voilà, une deuxième ici. On devrait être pas trop mal. Le dernier, c'est une boule de feu, inutile, le terrain est plat, chez plat. Voilà. On va commencer. En mettant nos unités ici. Alors. Forcément, ça déploie ici. Hein, c'est pas une surprise, mais ce que je veux savoir, c'est le deuxième déploiement. Si on se le prend de l'arrière. Si c'est un renfort, on se le prendra là-bas, d'accord. C'est pas ce que je préfère, mais bon, pas trop le choix. On va avancer tranquillement. La troupe légère montée, on va se prendre ses dégâts, voilà. Oui, j'ai oublié dit. Pas décoller non plus. Hop. Voilà, on va faire une formation serrée. Pourquoi? Parce que l'unité lance projectile et j'ai pas envie qu'ils attaquent. Hop. Putain, je sais pas comment ils ont réussi à voir mes unités là, quoi. Sérieusement.
Allez, courez les gars. Je vais me prendre une charge. Ouais, je me prends une charge. Chier. Je sais pas comment ils ont pu les voir alors qu'ils sont totalement invisibles en fait sur le terrain. Quoi. Allez, courez, courez. Ah ouais, mais ils veulent pas courir aussi, c'est con là. Ah par contre, les cavaliers ils courent. Hein. Ah, les cavaliers ils courent. Hein. Allez, arrêtez le feu à volonté. Purée. Ah, ça c'est le pire quoi. Bon, toi. Par contre, on part de cavalerie légère là. J'ai des destriers royaux, s'il vous plaît, les gars quoi. Voilà, on stoppe le feu, je veux pas de feu. Allez, videz vos munitions les gars, ça c'est bien. Oh, ils vont mettre 20 ans à venir, c'est parfait. Hop, allez. Et je veux toute la cavalerie disponible, vienne maintenant. Par contre, c'est quoi comme projectile qui lance là? Ah bon? Ouais, pas ouf. Hein. Hop. C'est quoi? Non, on va lui dire aller chasser eux là. Voilà. Ensuite, on les fait tous tirer. Comme ça, on est pas mal. Hein. Attends. Eux là, j'ai vu, là, ils sont réveillés. Ça va pas se passer comme ça, voilà. Faut pas déconner non plus. Bien évidemment, eux, on leur retire le feu à volonté, la tank du général Lambda, faut pas déconner. Tu parles d'une charge toi, putain, n'importe quoi. C'est quoi vous voulez les gars? Ah d'accord, bah le général avec, c'est très bien. Oh, sérieusement là? Aïe, ils se prennent des dégâts ici. Il va vite falloir les aider. Tac, bien évidemment. Mode card. Et eux, là, on les réveille. Hop, voilà, parfait. Eux, on les laisse pas partir, faut pas déconner non plus. Ça avance pas trop, pourquoi? Parce que. Con comme un son. Je vous ai pas mis feu à volonté, vous là? Voilà, ça attaque enfin. J'y croyais plus. Ok, on va les faire avancer tranquillou. Arrête de garder ton rythme, toi. Hop là. Là c'est bien, hein. Ils font le café là, les archers, même s'ils font pas très très mal, on va pas se mentir. Mais les gars on a vu mieux. Bon là-bas ils arrivent ou ils font quoi là? Ouais ça va venir. Allez, là on tire les gars, plus vite que ça. On tire sur le général s'il vous plaît. Allez. Voilà. On a des victimes sur le général. Enfin, bien dans le tas là. Oh, j'ai l'impression que ça fait moins le café que tout à l'heure. Vous savez quoi, hop, arrêtez le feu. Et refaites feu à volonté là sur les plus près. Les plus proches d'unité, c'est pas grave. Genre sur lui peut-être. Ouais voilà. Ouais, c'est carrément plus efficace comme ça.
Il cherche trop à sniper le général en fait et il tire en hauteur qui font beaucoup moins de dégâts. Hop hop hop, attention. Ah merde merde, d'accord, ils ont envoyé toutes les unités lance-projectiles. Aïe aïe. On va vite envoyer notre cavalerie. Hein. Donc eux ils prennent trop de dégâts forcément. Voilà. Hop hop hop, toi tu décales. Je veux pas que derrière ils aillent trop près de leur armée. On va les séparer. Voilà. Voilà. On a bien enfoncé les lignes ennemies là. C'est comme il faut. Cavalerie a fait le café quand même. Aïe aïe aïe. Heureusement que j'ai mon général là. Il tank bien le salaud. Hein. Allez hop, faut sortir de là. Parce qu'aussi bon que soit mon général, il va commencer à prendre des dégâts là. Avec tous les. Toutes les salves là qui se prend. C'est très bien, c'est très très bien. Hop, vous, cessez le feu. Hop. Voilà, eux on les fait décaler, là on est très bien. On va renvoyer tout le monde. Ah, il y en a un qui a survécu, mince. Et envoyer le général, hein, il n'y a pas trop le choix. Il y en a quelques-uns là qu'on réussit à rester là derrière. Dommage. On leur a proposé de fuir, mais ils n'ont pas voulu. Ok, là ça avance tranquillou. On va accélérer. Hein. Voilà, le général, on va aller chercher les unités bien, bien derrière comme il faut. Ok, ici ça se passe comment ? Ça se passe. Il va juste absolument falloir tenir là. Ça déborde pas trop sur le côté. Allez, on continue mon gars. On continue à chasser. Oh, tu parles d'une charge toi, allez. Oh, oh, n'importe quoi. Voilà. Voilà. Fais volonté ici. Ça fait comme. Ça fait ce qu'il faut. Hop 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 hop. Là, là. Pas vous laisser déborder sur le côté, faut pas déconner par contre. Ok. On va plutôt envoyer la cavalerie légère hein, pour suivre, faut pas décoller. Voilà, et là. Je vais charger avec. Là qui essaie de contourner, là vous voyez, là. Ce petit PNQ là. Voilà, on se prépare. Ah, il a fait, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Sauf que d'un côté. T'as les archers et de l'autre côté, t'as mon général, hein. T'as le cavalerie. Et. Allez, bonus de charge. Très bien. Efficace. Ouais, bien sûr, on continue, mais hors du général. Ça me ferait chier de perdre des unités gratuitement comme ça, par contre. Allez, on se grouille les gars, on se grouille, je veux pas savoir si vous êtes fatigué ou pas.
Voilà, donc c'est une belle victoire. Moi, je poursuis un peu les unités. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi. On se retrouve pour la prochaine vidéo demain. C'était Thiob. Ciao! Dure bataille, hein. Dure bataille, hop, escarmouche. On va essayer de rester à peu près sur le milieu. Et là, c'est purement et simplement de faire de la perte à l'ennemi. Hop, on va essayer. Ouais, vous voyez, hein, là, il rush comme un gros con avec ses unités. Voilà, alors, je vais t'apporter quand même. Je peux pas les faire reculer, je peux pas les. Attendez. J'ai un parti qui a bug. Je peux pas tous les faire reculer en fait. Normalement on utilise les flèches en fait hein, du clavier. Et là, impossible. Hop, allez. En attendant, on fait un rechargement rapide, faut pas déconner. Hop. On se regroupe très très vite, les gars. Cataphractaire, ça va rendre. Ah ouais, il a des bonnes troupes en plus sur le pote seulement. Allez, plus de pertes possible, allez, plus vite que ça là. Putain, il en a perdu aucune là. Hop, allez, mon général là, pareil, même punition. On divise en deux. Mais les cons, mais j'ai jamais demandé à eux là. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas lui? Bon, heureusement ils subissent de grosses pertes. Hein. Putain, le mec il est tout seul, il continue, hein, il est à la fois, hein, vache. Ok, toi on va pas te faire laisser là non plus, faut pas dégager. Allez, 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 arrête avec ton mode escarmouche là et bouge ton cul. Ah bah putain, ah, j'y croyais plus. Hein. Là-bas ça se passe comment? Ça se passe. Vous avez des idées. Non, pas toi là, juste toi tout seul. Ah merde. Ça va que là. Oui mon général. Allez les gars par contre on tire quoi, on s'amuse. Mais pas là, pas sur mon général par contre. Genre ici là, vous voyez là il... Ok, là ils sont barrés.
Ok, général, vous me faites bouger. Vous les gars, allez, par derrière. Je veux pas savoir. Toi, par contre. Ils sont pas tous en... Non, ils sont pas tous en mode escarmouche, péché. Tir sifflant. Pourquoi? Parce que... Eux, là, les éléphants, là. De base parce que les tirs sifflants apparemment ils arrivent pas à faire fuir eux, ce qui est un peu embêtant, on va pas se mentir. Ok, là ils ont pas réussi. Mon général il s'en sort bien. Oh si, c'est bon. Ah si, c'est bon, regardez. Hors contrôle. Ah si, c'est bon. Voilà, ça tombe tout seul. Comme des mouches. C'est juste parfait. Là-bas, il y a du temps qu'ils arrivent. Mais en cas où, quand même, on va pas... Hein. Voilà, tant qu'on a des munitions, on continue. Voilà, on vide nos munitions sur les ennemis. On reste le maximum hors de portée des traits de l'ennemi. Ouais, là, il a mal. Ça devrait être pas si pire que ça comme bataille. Bon, là, il restera cela. À mon avis, ça passera pas. Mais... On se fera une petite retraite. Et pour lui, ce sera une victoire à la Pyrrhus. Lancier lourd là, les lanciers immortels. Ah, c'est pas bien ça. C'est pas gentil. Hop, on recule encore un peu ici. On a de la marge, on a un peu de marge. Pas trop non plus, faire attention. On recule ce qu'il faut. Ils sont comment? Ils sont en grande fatigue, état de fatigue. Ouais, en même temps, ils ont utilisé deux fois le rechargement rapide, les pauvres. Maintenant on tire, on fait bien ce qu'il faut. Là derrière, son outil général, bah, il fait pas grand chose. On va faire reculer, on va faire reculer un peu plus vite. Voilà. On les fait marcher, on essaie d'alterner au mieux. Je peux pas faire de fin. Ah. C'est un nombre limité. A voir. Allez, ça tire, ça tire, c'est ça qu'on aime. Allez, allez, plus, plus. Ça, c'est très bien tout ça, allez. Allez, on fait reculer. On a pas envie de se prendre de salve. On n'est pas fou non plus. Là je vois deux unités là qui n'ont plus de munitions, on va les retirer du champ de bataille hein, forcément. Hop, je vois que je prends des tirs, je vois que je prends des tirs. Bah, écoutez, je vois que je prends des tirs, et ben on va y emmener mon général hein, qui devrait avoir l'avantage. Allez, on décale. Mon général aura l'avantage. Waouh. Tout ça là, on les retire. Ils ont plus de munitions. Allez hop. Là, on fait les victimes qu'il faut. Très très peu à avoir encore des munitions. Derrière, on se fait du sang.
plus de munitions, hélas. Voilà, aucun ami de munitions, du coup on envoie les unités légères là, de rattraper la cavalerie lourde. Ça lui posait quelques soucis. Hein. Putain, ils se font entraîner là par là. Ah, c'est dur. Oh, c'était quoi cette charge encore quoi? Ouais, bah pas fameux. Hein. On a un petit peu de d'avantage hein, dû au fait qu'on a de l'unité, qu'on est en supériorité numérique, qu'on a une unité en théorie de corps à corps, mais regardez là tout ce qui perd ça, moi là. Et c'est une unité d'archer lourd. Hein. Ça fait chier. J'ai un peu un général incapable, c'est pas grave. Bah on va fuir, hein, tout simplement. Donc défaite honorable. Hein, on peut voir, hein, on a quasiment exterminé l'unité ennemie. Et on a une autre armée juste derrière, prête à prendre le flambeau.